Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous profitez bien de vos vacances. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment recycler ces vieux vêtements, ceux qu'on n'a plus envie de mettre pour faire des trucs tendance. Pour cela, je me suis inspirée de pièces qui sont ultra tendance en ce moment. Alors soit j'ai regardé sur Pinterest ou Instagram ou quoi d'autre, même sur les sites super connus comme Revolve, Urban Outfitter, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Reformation, je crois que c'est ça, je sais plus, Anthropologie, etc. Enfin, tous ces sites où les pièces sont assez basiques finalement et chères, mais avec du tissu, des vieux vêtements, une machine à coudre, on peut faire des trucs qui claquent sévère et qui envoient du lourd. On minimise ses achats de textiles, ce qui est cool puisque on pollue moins, on fait des économies. Voilà, tout est dit. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je suis assez active sur ce réseau là. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, hein. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné. Oh, putain que je suis nulle. Et ça fait quand même presque 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je fais toujours des intros nazes. On n'est pas rendu, hein. Le premier vêtement que je vais recycler, c'est cette robe qui ne me va mais vraiment pas du tout. On dirait un sac à patates. Elle me vieillit donc 10 ans dans la face. Du coup, je vais découper la jonction qui est entre le haut et le bas pour créer un crop top et une jupe. De plus près, ça donne ça, donc vous voyez bien la jonction entre les deux tissus et je découpe. Je sépare les deux pièces et je découpe la partie encore accrochée. Pour le crop top, c'est super rapide, il ne reste plus qu'à faire un ourlet. Et je vous montrerai le résultat à la fin, là on va vite passer à la jupe. À ce stade-là, voici à quoi ressemble la jupe. Et maintenant, je vais défaire les boutons. Je vais faire mon ourlet autour de la taille. J'ai deux contraintes, ce sont les poches et la taille de mon élastique. Je vais pas pouvoir replier deux fois mon ourlet, juste une fois, donc la finition ne sera pas top, mais ça fonctionnera et puis c'est pas grave, c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Quand j'ai placé mes épingles, je passe à la couture. Je prends mon élastique que je mets autour de la taille, je vais légèrement tirer dessus. Une fois que j'ai la longueur que je désire, je découpe. Et pour pas faire d'erreur et me mélanger, je lance par terre l'autre partie de l'élastique. Avec une épingle à nourrice, je vais accrocher l'extrémité de l'élastique à une extrémité de l'ourlet. Et de l'autre côté, je vais aussi également mettre une épingle à nourrice et je vais glisser l'élastique tout le long. Une fois que c'est sorti, je vais maintenir l'extrémité, l'autre extrémité avec une pince, j'hésite pas à mettre d'autres épingles, etc. Et je vais passer à la couture. Donc je vais faire une couture en long, j'hésite pas à renforcer en allant d'avant en arrière et je fais une autre couture perpendiculaire. Bien sûr, l'élastique sera pris en sandwich dans le tissu. Et je renforce bien les coutures et voilà ce que ça doit donner. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on va réunir avec une petite couture les deux extrémités ensemble. Je vais mettre l'arrière et l'avant l'un sur l'autre. On va faire un petit rectangle à ce niveau-là. Je me suis rendu compte qu'elle était un peu trop longue pour moi. Du coup, je vais la raccourcir et je ferai un ourlet. Et voici le résultat avec le avant après. Maintenant, j'ai recyclé cette blouse. Comme vous pouvez voir, qui est une robe en fait, et je vais la transformer en top français. J'avais déjà fait un tuto dans ce style là. La première chose qu'il faut savoir, c'est connaître à quel moment vous voulez que le top s'arrête. Donc vous prenez votre mètre et vous mesurez à peu près jusque là. Donc ça fait 25 cm. Devant il y a des poches. Ici, je vais découdre les poches parce que quand le top sera froncé, on verra plus les petits trous. Donc voilà, toujours avec mon découpe-fil, c'est mon meilleur ami dans cette vidéo, je l'ai utilisé pour tout. Voilà, j'ai enlevé les poches, maintenant je vais découper, je sais pas comment ça s'appelle, la partie où il y a les boutons. Et je vais découper
ma robe de manière à créer un long bout de tissu qui fera 27 cm de large, car il faut ajouter 2 cm pour les ourlets. Pour pouvoir faire mon top froncé, ce tissu-là sera trop court. Du coup, dans ce tissu, je vais découper un autre bout de tissu. Je sais pas si vous me suivez. Dites-le moi en commentaire. Oui, vous me suivez, j'ai tout compris. Voilà, j'ai 2 bouts de tissu maintenant que je vais coudre ensemble pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur. La règle normalement c'est 2 fois le tour de la taille. Et maintenant, place aux ourlets, donc j'en fais bien sûr des deux côtés. Maintenant, on va passer aux fronces. Donc, quand c'est terminé, on va prendre du fil élastique. Donc, je vous montre le packaging. Je l'ai acheté à la Foire Fouille, comme ça vous avez la référence. Et on va remplir une canette avec. Donc, surtout quand vous la remplissez, ne tirez pas le fil. Oh, j'ai du mal à parler. Ayez une tension normale, hein. Ne tirez pas. Et vous chargez ce fil-là dans la partie inférieure de la machine. Très important, si vous avez ce modèle de machine, c'est une Brother FS40. Surtout, faites passer le fil par-dessus la canette, sinon ça ne va pas fonctionner. Très important, pour avoir de jolies frances, il faut que la tension du fil soit basse. Donc ici, c'est entre 2 et 3. Il faut prendre un point droit et le mettre à 4. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de 4 mm, il faut qu'il soit assez large. Et de l'autre côté, vous mettez un fil standard de la couleur que vous souhaitez. Donc ici, je l'ai mis autour d'une canette parce qu'il était, enfin, la bobine était trop grosse pour la machine. Très important, je place le tissu à l'endroit face à moi. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis le pied de ma machine parallèle à la première couture que j'ai réalisée pour avoir un guide en fait pour coudre droit. Donc il y a 1 cm de distance entre les deux coutures. Quand c'est terminé, coupez, retournez au début et utilisez la couture précédente comme point de repère. Et très important, tirez bien sur le tissu, il ne faut pas qu'il soit froncé pendant que vous cousez. Je vous montre ce que ça donne de plus près et la petite touche finale, c'est de le repasser pour que l'effet froncé soit encore plus prononcé. On va maintenant créer les bretelles que je vais coudre sur les côtés, donc je vais prendre mes derniers bouts de tissu, donc là ici j'ai découpé une manche, je la repasse et je vais tout simplement créer mes bretelles, donc je vous laisse regarder tout ça en image. Alors bien sûr vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai découpé de manière à créer une petite pointe pour une plus jolie finition. J'ai replié le tissu pour bien l'égaliser et je vais faire la même chose pour 3 autres bouts de tissu. Maintenant il faut coudre les tissus 2 par 2 ensemble. Je déplie, je mets la bande de tissu à l'endroit face à moi, je plie et je couds en laissant une ouverture. Après la couture, je le mets à l'endroit, je dégage les angles et puis je repasse par-dessus, je couds au niveau de l'ouverture et c'est terminé, je fais la même chose pour le second. Vous avez un long bout de tissu, vous allez le mettre autour de votre poitrine, ouais. Et vous allez voir à peu près où vous allez devoir coudre. Moi, c'est pile poil à ma taille, donc là, j'ai pas besoin de couper. Je fais juste une couture sur les côtés pour relier les deux extrémités. Je couds le tissu en trop et je fais une couture zigzag pour une plus jolie finition. Ça évite aussi que le top s'effiloche. Je mets le top sur moi et je vais positionner les bretelles pour après les coudre. Voici le résultat, je trouve ça vraiment très mignon. Par contre, il y a vraiment un truc qui me gêne, c'est cette bande ici. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal si en fait si on fronçait ici. Voilà, donc là on fait une sorte d'accordéon, on pince en fait, du haut jusqu'en bas, sans pincer les froufrous ici. Et on coud de manière à ce que ça donne un petit top comme ça. Et je le trouve encore plus joli. Je vais prendre du fil et une aiguille que j'ai préparée en avance et je vais piquer à l'intérieur. Donc bien sûr, tout en maintenant mon petit accordéon et je ressors. Je vous montre de plus près. Donc là du coup je sais pas si je laisse comme ça ici. Finalement j'ai piqué pas complètement haut mais à 5 mm du bord. Du coup bah, je vais repiquer en maintenant bien fermement pour pas que ça s'en aille. Et du coup je vais repasser plusieurs fois pour bien maintenir le tout et faire un nœud à la fin. Je pense qu'à ce stade là vaut mieux l'enlever et puis faire la couture pas sur soi. Voici le résultat, maintenant il reste juste à faire couture ici
pour que ça donne ça. Et c'est terminé. Au tuto suivant, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce jean là. Et en soi il est pas trop moche, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Je vais faire des trous partout, le rendre plus destroy, surtout sur le bas, ici. Et ce que j'aime pas aussi c'est la couleur, donc je vais le passer à la javel pour voir si je peux un petit peu l'éclaircir. Donc c'est parti. Au niveau de la cheville, je vais découper un triangle. Pour faire cet effet frange, vous allez prendre votre pince à épiler, là j'ai commencé avec mes mains mais vaut mieux prendre une pince à épiler, il faut tirer sur les mailles blanches et bleues et voilà, et faire que ça, et je peux vous garantir que ça prend du temps, donc je vous conseille de faire ce genre de tuto devant une série Netflix ou bien en écoutant la radio parce que ça prend énormément de temps. Donc je vous montre de plus près comment faire cela. Donc moi en fait j'ai détaché les bouts de tissu bleus. Et après, je me suis occupée des bouts de tissu blancs. En fait, vous alternez, vous voyez en fonction de ce que vous voulez, si vous voulez plus de franges ou moins. Vous faites au feeling. Vous allez comprendre tout de suite quand vous allez le faire, c'est pas très très compliqué. Quand vous êtes satisfait de votre triangle, vous allez passer aux franges qu'il y a sur la base du pantalon. C'est très simple, vous prenez une aiguille et vous tirez sur les fibres blanches et hop, ça s'en va tout seul. Et ça crée des petites franges. Et voici le résultat, donc vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Important, commencez toujours par faire le triangle, les franges du triangle et après la base. Pour faire des trous, vous repérez l'endroit où vous souhaitez qu'il y ait une ouverture. Vous découpez les extrémités, donc là j'en ai refait un au milieu de trait parce que je trouvais qu'ils n'étaient pas assez espacés. Et vous enlevez avec une pince à épiler le bout de tissu, la fibre de tissu bleu. Donc quand c'est terminé, voici ce que ça donne et vous pouvez rajouter des petits détails. Moi j'ai voulu faire une petite déchirure. J'ai aussi travaillé les extrémités en enlevant quelques fibres blanches dessous pour que ça soit un petit peu plus, pour qu'il y ait des toutes petites franges. Et maintenant que vous avez la technique, vous pouvez faire autant de trous que vous le souhaitez, c'est tout le temps pareil. Et voici le résultat, je trouve ça canon, j'en avais pas des comme ça. Il y en a qui coûtent une blinde dans les magasins juste pour 3 trous. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'en ai fait aussi derrière. Et la petite touche finale, c'est de prendre son découpe-fil et d'user les extrémités du jean. Donc n'hésitez pas à en mettre au niveau des poches, autour de la fermeture éclair, tout autour de la taille, etc. Derrière aussi, n'oubliez pas. Et quand vous allez passer en machine, les petites fibres, enfin les petits fils vont ressortir et ça va donner encore plus cet effet usé. Et je vais éclaircir mon jean. Donc j'ai mis dans de l'eau de la javel et j'ai mis mon jean à l'intérieur pendant 24 heures. Vous n'êtes pas obligé de faire ça bien sûr, et si vous le faites par contre, utilisez votre eau avec la javel pour nettoyer des trucs chez vous, ou peut-être pour faire du tie and dye ou etc. Passez-le en machine et voici le résultat. Au dernier tuto, donc pour cela j'ai recyclé un drap de lit et je vais faire ce top qui fait un très très joli dos nu. Je me suis inspirée de la vidéo de Julie RGS, c'est une youtubeuse qui fait des vidéos couture, donc je vous invite à aller la voir et aussi également aller voir sa vidéo, comme ça vous avez deux visions pour créer ce top. Moi par contre j'ai changé des petits détails techniques, donc on va voir ça tout de suite. Je vais prendre mon ruban mètre et je vais faire 3 mesures. Je commence à le mettre au-dessus de ma poitrine, puis sur la taille, et enfin je vais déterminer la longueur de mon top. Important, rajouter au buste et à la taille 5 cm si vous avez une plus grande poitrine que moi, c'est-à-dire que moi je suis entre du 90A et 90B. Je plie le tissu sur lui-même et je vais reporter les mesures. Et je relie les deux extrémités ensemble.
j'épingle, je rajoute 1 cm sur les côtés, puis je découpe. Une fois découpé, pour aller plus vite, je le repose sur mon tissu et je découpe tout autour. Dépliez les tissus et vous allez les mettre endroit contre endroit. Coudre tout autour et laisser une ouverture qui est représentée par les deux épingles. Après cela, dégagez les angles, donc les quatre côtés. Ça permet d'avoir une plus jolie finition une fois mis de l'autre côté, donc je le mets à l'endroit. Et avec un crayon, un critérium, je vais dégager les angles, donc appuyer sur chaque côté. Maintenant, tracez une ligne à 5 cm en partant du haut et aussi du bas. Là, il faut coudre sur les deux traits tracés. Et vous allez faire une autre couture parallèle à celle-ci, à 1,5 cm à peu près, pour laisser passer la cordelette plus tard. Voici ce que ça donne, donc ça permettra de faire passer la cordelette. Mais avant tout, il faut créer des ouvertures et donc découdre sur les côtés entre les deux coutures que vous venez de faire. Maintenant, surpiquez tout autour en évitant de coudre sur les passages de la cordelette. On va faire des cordelettes, donc pour cela vous allez découper du tissu de 4 cm de large environ que vous allez relier par une couture, donc vous allez les poser de manière perpendiculaire et faire une couture en diagonale. Pour faire mon lien, c'est comme la technique du biais, donc je replie les extrémités sur elles-mêmes. Je donne un coup de fer repassé dessus pour marquer les plis et je vais replier encore sur lui-même le lien. Piquez sur quelques centimètres et maintenant vous allez pouvoir créer ce lien manuellement sans utiliser le fer repassé. Et dans les coulisses, utilisez une épingle à nourrice et vous allez le faire glisser sur la partie supérieure, donc en haut, puis dans la partie inférieure, et vous allez enlever l'épingle à nourrice, la mettre de l'autre côté et passer l'autre côté du lien, pareil, dans la partie inférieure, juste au-dessous du premier. Et tirez. C'est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si c'est le cas puisque c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire laquelle des pièces vous avez préférées. Vous pouvez aussi me dire qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse comme style de vêtements sur YouTube si cette vidéo vous a plu, ou comme style de tuto déco. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens ici et en barre d'infos, et comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas la petite cloche, voilà. Gros bisous, ciao ciao.